Encore une fois, bienvenue avec nous sous TéléHCH et on va regarder les réflexions côté que tout à l'heure nous t'es quitté avec on parti côté nous t'es vraiment à parler avec tout que nous côté que nous juste et c'est parce que nous tout nous aimons Haïti et nous voulons tout ça de bon pour Haïti. Mais avant nous t'es allé, question c'est que est-ce que c'est de la justice les services pour l'égalité ou bien c'était une vaste allégation de la justice et que moi-même, je suis capable de penser oui, c'était une vaste allégation de la justice, c'est que la justice pas supposée juste sur les sites exécutifs lundi. Pour la l'agir pendant ce temps qu'on constitution ou supposé respecter, ou pas supposé juste agir, à part qu'on y a là, il y a des problèmes qu'à parler, nous que nous-mêmes peuple, et nous-mêmes qui citons à parler de lui, nous pensons que, il n'est pas fait, parce que si mon était juste vient de parole entre deux hommes, et que, lui, au cas, fait, il bon pays dictature, alors moi-même, je pas penché, oui, je pas dit que, débuté, pas bien mauvais réputation, et que je dit oui, il y a une bonne réputation, mais avant que ou arrêter, il y a un monde où supposé suivre, tout ça, il est suivre dans le pays, parce que pas oublier que, Haïti, nous avons un problème aujourd'hui, on a essayé de résoudre le problème Haïti, et, un problème qui n'est pas chiant, c'est mon problème, nous supposé gagner, bon, il là, nous supposé suivre, tout ça, nous supposé suivre, par constitution pays, nous, si nous voulons avancer devant, alors, Claudie. Non, le problème qui gagne exactement dans le débat, c'est parce que justement, nous voulons recentrer le débat sur le bras de fer qui existe entre le Parlement et l'exécutif. C'est ce que nous avons annoncé, tu vois. Mais, Jean-Mi Claudie, lui-même, lui plus voulait porter attention sur le passé du député, n'est-ce pas, qu'il n'était pas. Il n'était pas encore député à l'époque. D'ailleurs, les conflits tels que Claudie rapportait, ce sont des bagages qui sont totalement erronés parce que ce n'est pas passé vraiment. Ce n'est pas comme ça qu'il est passé. Par exemple, yes, il a été en République dominicaine, il y a eu évasion de prison, mais comment c'est ça? L'invasion de prison, en fait, là. Postéra, lui, il a sorti de la prison, lui aussi. Mais le président a été le voir l'autre jour. Hein, avec tout honneur, etc., qu'il méritait. Tu vois, c'est dans le même contexte là que le député a été quitté prison en tout. Le même contexte. Il n'était pas du tout différent. Maintenant, yes, il a été arrêté. Il était le chef de sécurité du Parlement de la République à l'époque. OK? Et il y a eu trois membres du Parlement, trois membres influents du Parlement, qui avaient été invités à une émission à Radio-Caraïbe. OK? Maintenant, trois, tout pour ça, ont été arrêtés le même matin. Maintenant, ceux-là qui étaient Parlement, qui étaient parlementaires, puisqu'il y a une immunité parlementaire, leur arrivée, yo, absolument, il a quitté le tournée, mais lui, il a été retenu parce que lui, il va gagner une immunité parlementaire. Ça, il prend la responsabilité, premièrement, c'est Nadjobi, puisqu'il était chef de sécurité, n'est-ce pas? Maintenant, les armes qui se trouvaient dans la voiture, n'est-ce pas? Lui, il a quitté le poli. Maintenant, il s'est allé dans la prison. Il fait un prisonnier. Lui, les prisons crasées, tout le monde sorti. Lui sorti tout à coup, tout le monde, including Prosper Abril et d'autres monde. Même ils vont les petits nachés de quoi qui étaient dans la prison, les sorti en tout. Et then, Michel Groulx de la République Dominicaine, et de la République Dominicaine, n'est-ce pas, et entre deux gouvernements, ils ont demandé pour te voir M. Tounébayo. Effectivement, ils ont voir M. Tounébayo. Ok? Ils ont retourné à la prison. Quelques temps après, le cas a suivi son chemin jusque devant le tribunal. Pas fin plaidé, il a été relâché. Il a été relâché régulièrement. Ok? L'infini relâché régulièrement. D'ailleurs, cette semaine, quand le cas a rebondi, le juge, cette dame qui avait entendu le cas, a accepté qu'effectivement, cas a été venu devant le juge, M. Lagué. Ok? Donc, c'est-à-dire que ça a fait pour évasion. C'est ça que le gouvernement mettait, parce que les autres paroles qui n'étaient pas, c'était des paroles empilées. Mais ça qui était vraiment raison que le gouvernement était désinfecté, c'est parce que je me disais, M. comment évader de prison. Ok, mais il a été prouvé que non, c'est pas que okay. Il va aller de prison. Ok, mais ça c'est pas ça. Okay. Ok, tout à l'heure là, tu as parlé comme quoi et j'ai fait une intervention erronée face à ce que je viens de dire toi, tout à l'heure. C'est pas toi. Toi, tu ne fais que lire des histoires. Je ne fais pas que lire. Je ne fais pas que lire. Je termine. Mais tu n'as pas. Mais tu peux pas. Tu peux pas me dire que tu as entendu ce que je viens de dire et tu restes sur cette position. Quelle position? La position comme quoi le député il était accompagné et il était accompagné des deux. Non, quand on l'avait arrêté, quand on l'avait arrêté. Non, attends. Je dis, tout à l'heure je t'ai entendu. Non. Mais je t'ai entendu tout à l'heure. Oui ou non? Non, je ne vais pas votre motion. Parce que vous dites mais samedi et pas samedi. C'est ça, mais tu as dit que. Vous dites mais samedi et pas tu samedi. Tu as dit que mes interventions sont erronées. Mais si mes interventions sont erronées. Non, ce n'est pas tes interventions qui sont erronées. Mais tu ne peux pas me dire aussi. Arrête de me dire. Bon, ok, la seule chose, mais le type n'a pas été déporté des États-Unis en Haïti. Ok. Oui ou non? Qui est-ce? Le député Anel Mélisère.
Non. Cela a été déporté des États-Unis d'Amérique. Oui. Je sais pas qui m'intéresse, je sais pas. Non. Tu as fait une rétrospective tout à l'heure. Non. Monsieur. Je ne parle que le fait public. Mais écoute, attends. Pas de problème que oui, il y a une mauvaise invitation, et pas de problème que oui, il y a une mauvaise invitation. Pas de problème ça. Mais le problème, on a demandé, si que l'arrivée a débuté, comment faire l'arrivée avec qui est-ce qui va aller voir ça? C'est une très belle question. C'est une très belle question. C'est une bonne conduite. C'est une très belle question, Rose, parce que il est député en ce moment. Comment il a fait? Ok. Si on y a le député, c'est une question. Mais voilà où je suis, c'est quoi? Ok. Il est un député. Il peut appeler à tout moment pour représenter Haïti quelque part. Ok. Est-ce que le titre va représenter Haïti? Par exemple, s'il y a une réunion, mais je finis. Et s'il y a une réunion en République Dominicaine, est-ce qu'un voleur peut représenter Haïti en République Dominicaine? Comment le pays? On te juge pas. Okay. Mais tu n'es pas au courant. Parce que le seul dossier que tu es au courant, okay. C'est quoi? Le dossier que tu as dit monsieur, que le type a été. Tu veux parler ou ça? S'il vous plaît. Après moi, je vais. Ok, on m'a parlé de tout ça, l'affaire. On m'a parlé de Kouniala, on avait fait mettre constitution, on avait fait parler de ça qui passait dans le pays, nous, qui s'est passé. Premièrement, je sens que si on montre sa capune et cap président, qu'a député, la président, excusez, qu'a député, chaque bon problème qui va se écrire, les députés, nous supposons respecter les règles, constitution. Alors, c'est là, nous, l'idée. On en a parlé, est-ce que bon problème de la justice, qui chaque passé. On va essayer de parler de députés, encore, juste parler, on va avancer devant avec ça qui est supposé avancer, c'est ça que, qui vraiment va, parce que c'est le problème de Haïti, vraiment. Nous, toujours, si tu as parlé de ça, que nous va changer de parler, pendant que, qui se supposé parler, il parlé, n'a parlé de lui. Oui, mais, ok, tu veux que j'avance? Okay. Le problème, c'est quoi? Un homme, un député, tu m'as laissé parler tout à l'heure, okay. Non? Ce n'est un homme qui n'est plus un homme maintenant comme moi, parce que je ne suis pas élu. C'est un homme d'État, un député. Qui n'en somme pas qui est élu. Pour quelle raison on demande à un député de produire son casier judiciaire? Qu'est-ce que le député pour le casier judiciaire? Ah, pour se présenter aux élections, t'as pas demandé de produire tout ça. Pour le député. Oui, mais tu, je ne comprends pas pourquoi tu t'as fait cette intervention. Tu as bien compris ce que je voulais dire. Non, pas bien comprendre. Eh bien, ok, tu laisses que je termine, après tu parles si tu veux. Ok? Ça veut dire que le monsieur, pour se présenter aux élections, mais il a bien produit des documents. Mais ces documents-là, c'était des faux documents. Ce sont des faux documents. Il n'a pas été condamné en Haïti. Les documents n'ont pas été étudiés. Hein? Les documents n'ont pas été étudiés. Quel document? Mais c'est la corruption. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Le problème de la corruption, ça veut dire que puisque le petit, il a produit ces documents, il était. Je finis avec ma phrase, après tu poses la question si tu veux. Alors monsieur, sur cette phrase, n'importe qui pose la question, n'a pas parlé parce que débat vraiment chaleureux.